On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme bientôt tout reprogrammé, comme bientôt un monde sans danger, comme bientôt tout reprogrammé, comme bientôt un monde sans danger. Quand je pense que ça devait être super simple. Quelques heures plus tôt. Je répète une dernière fois pour les énergumènes qui n'écoutent rien. 1. Prise d'élan. 2. Propulsion sur le tremplin. 3. Rétablissement sur le cheval d'arçon. 4. Saut carpé. Et 5. Réception piégeois sur le tapis. C'est clair? Non, c'est pas clair, monsieur. Vous pouvez nous faire une démonstration, monsieur? T'exagères, pichon. C'est bête comme chou, faut être crétin pour ne pas y arriver. Un, deux, trois... Oula, il est arrivé à 5 sans passer par 4. Bichon, ça te fait rire? Montre-nous ce que tu sais faire. Et n'oublie pas les 5 règles d'or. C'est un cheval d'arçon sauvage, ma parole! Della Robbia, au lieu de faire le guignol, montre-nous ce que tu sais faire. Allez! Monsieur, faut être crétin pour pas y arriver. Non mais c'est pas vrai. T'y crois pas? Je fais un saut digne des Jeux Olympiques et paf, 4 heures de colle. Tu trouves ça normal, toi? Bah, ouais. Hein? T'as vu comment t'as parlé à Jim? C'était... C'était quoi? Insolent et prétentieux. Prétentieux? Y'a pas plus humble que moi. Tu veux rire? Le mot vantard a été inventé pour toi. C'est vrai. Il ne se passe pas une journée sans que tu nous chantes tes louanges. C'est archi faux. Et je suis prêt à vous le prouver. D'accord. Je parie une semaine de dessert que tu peux pas passer 24 heures sans te vanter. Top là. J'en connais un qui va avoir double ration de tarte aux fraises. Ouais, moi. Non, moi. Non. Bon, ça y est, je venais vous rappeler qu'on a le super calculateur de Xana à détruire ce soir après les cours. Celui de la jungle, ça y est, on y retourne. Oui, et a priori, on ne devrait pas avoir de problème, puisque la dernière fois, Odd a coupé le champ de force qu'il protège. Eh ouais, une fois de plus, là où tous les autres auraient échoué, j'ai fait preuve de... De beaucoup d'humilité. En gros, il n'y a plus qu'à terminer le boulot. Ce sera super simple. Système connecté. Vous devriez voir le réplica à présent gelé sur le radar. Affirmatif. Ce
Kid en position devant le sas d'entrée. Clé numérique enclenchée. Yumi. T'es le meilleur, Jérémy, ça a marché. Précise tes translations. On est pile dans le labo. Arrêtez les fleurs, sinon je vais prendre la grosse tête. Comme Odd. J'ai pas la grosse tête. Cela dit, vu mes performances hors du commun de la dernière fois, je comprends pas pourquoi j'ai pas été translatée. Pas toujours au même de s'amuser, Odd. Et si tu insistes, il y a des éclairs au chocolat qui risquent de te passer sous le nez. Oh, oh... Alors, Jérémy, on passe par où? Vers l'est. Vous passez une porte tout droit et un peu plus loin sur la gauche, vous devriez voir la porte de la salle du supercalculateur. Bien reçu, Jérémy. Bingo. Maintenant, vous ouvrez la porte et vous bousillez le supercalculateur. Je vous l'ai dit, c'est du gâteau. Jérémy, j'arrive pas à ouvrir la porte. Ah oui, zut. La dernière fois, c'est Aelita qui l'avait ouverte avec son pouvoir numérique. Minute, je vais trouver une solution. T'inquiète, je m'en occupe. Ulrich, attends. Raté. Bon, le boîtier est cassé et la porte est toujours fermée. Quel idiot! J'avais dit attends. Fallait le dire plus vite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voyons voir. Ah, j'ai une idée. Vous allez couper l'alimentation de la fermeture magnétique des portes. Tu sais où est le générateur? Oui, je vais vous guider. Moi, je reste ici. Dès que ça s'ouvre, j'entre et je m'occupe du supercalculateur. Ulrich, tu vas retourner sur tes pas et au premier croisement, tu prends à droite. C'est parti, Einstein. Jérémy, tu nous entends? Tout va bien? Une petite complication. Rien de grave. Tout va rentrer dans l'ordre. T'es sûr? Parce que moi, je veux bien aller aider Ulrich et Yumi. En toute humilité, bien entendu. Désolé, Odd. T'as du boulot sur place. Je viens de repérer une tour activée. On s'en occupe. Tiens-toi prêt à débarquer, Odd. Débarquement. Einstein, on peut avoir un... Tu disais, Odd? Rien, merci. Aïe. Nous aussi, on a une petite complication. Je vois William et trois frelions. Qu'est-ce qu'on fait? Odd reste à combattre pendant que je vais désactiver la tour? Non, la tour est trop loin et Odd ne s'en sortira pas tout seul. Trois frelions et ce bras cassé de William! Quatre flèches laser et c'est réglé! Odd, tu oublies ton pari? C'est pas de la mentalité, c'est la vérité! Oublié! Tu vois? Heureusement que j'étais là! Écoutez, c'est facile! Vous allez retenir William le temps qu'Ulrich neutralise le générateur. Il y en a pour quelques minutes! Pas de problème! Ulrich, tu m'entends? T'es où? Passe au générateur! Parfait. Tu peux me le décrire? C'est une grosse machine avec des tas de bidules qui clignotent? Très bien. Alors maintenant, tu dois neutraliser le commutateur qui alimente les portes du labo. Le commuta quoi? Le bouton. Tu vois un petit bouton rouge? Y'en a pas un, y'en a mille. Oh, c'est un vrai flipper, ce machin. Procède par élimination. Non, je veux procéder à ma façon. C'est quoi ta façon? Flanquer un coup de sabre dans le générateur et court-circuiter le supercalculateur? Exactement. Laisse-moi 2 minutes pour réfléchir. Pas
Merci les bébêtes. Jérémy, il y avait quoi déjà dans les vivariums? Des araignées cybernétiques. Génial. Du fil à retordre, toi. Jérémy, les araignées cybernétiques sont sous le contrôle de Xana et juste derrière moi. Plus pour longtemps. Le supercalculateur sera hors circuit dans quelques secondes. Ulrich, ton idée, c'est pas fino-fino, mais ça devrait marcher. Vas-y. Ok. Mais c'est pour quand? Maintenant! Hein? Mais où il est passé? Alors, il suffit que je le regarde pour le dégommer! Jérémy, qu'est-ce qui se passe? On a gagné! Déjà? Alita, le réplica est en train de disparaître. Envole-toi. C'est ce qui s'appelle tomber à pic. Je vous avais dit que ce serait du gâteau. Vous pouvez rejoindre le skid, la mission est terminée. T'es prêt, Ulrich? Je vais te détranslater. Attends, Jérémy, il se passe un truc. Quoi? Il y a de nouveau de l'énergie. C'est pas normal. Ulrich, il doit y avoir quelque part un générateur de secours. Sans blague. Même moi, j'aurais deviné. Mais il est où? J'en sais rien. Je cherche. Ouais, ben fais vite. Moi, je rejoins Yumi. Jérémy, qu'est-ce que tu attends pour nous translater? Et c'est quoi cette alarme? Bon, une petite complication, comme d'hab. Ah, je vois ça. Ah, assez vite. Ah, viens. Alors, Jérémy, il est où ce générateur de secours? Oh, je trouve pas. Alors occupe-toi des araignées, sinon elles vont s'occuper de nous. Aelita, il faut que tu désactives la tour. Odd, tu gardes le skid. Oh non, je vais encore glandouiller pendant que les autres s'amusent. Odd... Quoi? Je me vante pas, là. Ah! Heureusement, un petit copain vient d'arriver pour jouer avec moi. Vas-y, fonce! Tu veux jouer à chat? Oh non! Oh, quand je pense que ça devait être super simple.
Dépêche-toi, Elita. Yumi et Ulrich sont dans la panade. Je fais ce que je peux. La tour est loin. Pour Xana! Dégommé William tout seul? Ouais. Et tu dis rien? Hé, hey, tu me prends pour un menteur. Yumi et Ulrich, je viens de repérer le générateur auxiliaire. C'est une bonne nouvelle, mais c'est trop tard. Ah, Yumi, Ulrich! Jérémy, t'es là? Ils en sont où, les deux amoureux? Je vois. Mais non, j'ai localisé le générateur auxiliaire. C'est juste que maintenant, il n'y a plus personne pour le détruire. Sans être présomptueux, il y a moi. Ok, remonte dans le skid, je vais te translater. Très bien, mais après, venez pas vous plaindre si j'assure. Ça y est, je suis à poste, Jérémy. Bien reçu. Translation Odd. Tu ressors du labo et tu fais gaffe aux araignées. Pour l'instant, je vois pas l'ombre d'une papate velue. Moi, j'en vois. Deux belles tarentules en approche. Ulrich, Yumi, réveillez-vous, bon sang, parce que si le skid disparaît, vous aussi. Tu vas tomber pile sur le générateur auxiliaire. Oh oh! Ce générateur, c'est le dernier spot à la mode, non? Pourquoi? Bah, parce qu'il y a du monde! Aelita, il faut que tu désactives cette tour maintenant! J'y suis! C'est une question de secondes! Odd? Ne me dis rien, je dois me débrouiller tout seul, c'est ça? Désolée, mais oui. Et très vite, car sinon, dans quelques minutes, on pourra dire adieu au skid, à Ulrich et à Yumi. Allez, Odd, c'est maintenant ou jamais. C'est bon, t'as le plan, Aude. Une fléchette. Alors vise bien.
largement suffisant. Hein? Aïe, aïe. Aïe, aussi. Détranslation Odd. C'est pas mal chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien, tu peux te rendormir. Cette fois c'est bon, allez Odd, mets les voiles. T'avais raison. C'était super simple comme mission. Il a dézingué William et le supercalculateur tout seul. C'est dingue, ça. Le plus dingue, c'est qu'il s'en est même pas vanté une seule fois. Bizarre. Il a peut-être changé. Tu veux dire qu'il serait devenu humble? Bah ouais, l'ado parfait. Raisonnable et responsable. Youpi! 41 secondes et 10 centièmes. Vous avez devant vous le recordman mondial de la douche la plus rapide. C'est pas magnifique, ça? Qui c'est le plus fort? Qui c'est le meilleur? Hein? 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 C'est la machine à succès! C'est Odd! Ah ouais, t'es beau, toi! Oh, je t'aime quand tu fais des exploits comme ça! Odd! Ouais, pas de problème, t'auras mes desserts! Ah. C'est tout l'effet que ça te fait? Faut se rendre à l'évidence, je suis un gros vantard! Et j'adore ça! Celui de gauche est plus svelte mais musclé, non?